va se déplacer pour prendre une deuxième petite côte de forêt qui est derrière nous. Il y a un terme qui existe, qui s'appelle être bredouille, qui devrait pas exister dans le dictionnaire, parce que voilà, rien qu'aujourd'hui, de passer une ou deux heures dans des paysages pareils, enfin moi je suis pleinement satisfait. Donc tirer, c'est vraiment voilà, c'est un objectif en soi, mais c'est pas indispensable. Donc passer une magnifique journée de chasse en faisant des observations de gibier, d'animaux, mais sont hyper enrichissantes. Magnifique! Ouais. Félicitations, super! Merci. Ouais. Ah, il est beau! Attention, le chapeau. Du chapeau, ouais. Voilà, donc là, les honneurs aux tireurs, petite brindille, et on fait la même chose au chevreuil en y mettant aussi un rameau dans la bouche comme honneur, comme dernier repas. Moi, je me sens la même personne quand je suis naturaliste dans une association de protection de la nature que quand je suis chasseur. Donc pour moi, c'est vraiment très proche et très lié. On fait vraiment partie d'un système écologique. Puis c'est important que ce côté régulateur, entre guillemets, qu'exerce le chasseur, soit toujours exercé. Aujourd'hui, c'est plus pour se nourrir, mais je pense que le rôle de l'homme est important.